Bonsoir, bienvenue à cette cérémonie de clôture de la 53e quinzaine des réalisateurs. Merci d'être là, sinon bon, c'est toujours un plaisir en fait. À chaque fois, un événement, une salle pleine, c'est quand même quelque chose. Merci beaucoup. Je tenais à remercier tous nos partenaires qui normalement devraient apparaître derrière moi. Comme ça, je m'invite de le lire un par un, parce que c'est très long. Est-ce qu'on peut mettre le carton? Ça va arriver, voilà. Quand on parle de travail collectif, voilà, ça c'est un travail collectif, tout à fait. Et je tiens à remercier la SRF, encore une fois, pour la confiance et pour nous avoir offert cet extraordinaire moment avec Frédéric Weissmann, un début de festival. Merci beaucoup à la SRF. On va commencer par les comédiens. Maïdra Ayari, que j'invite sur ça. Déjà, je suis très heureuse d'être là. Je remercie la quinzaine de nous avoir fait cet honneur de nous inviter. Ça va être une première projection pour l'équipe. Alors, il y a une partie qui est des comédiens qui sont sur scène, il y a une autre partie à cause du Covid qui n'ont pas pu monter. On est beaucoup, et l'équipe technique et d'autres comédiens qui sont là. C'est une projection qui a un sens très particulier, d'autant plus que la comédienne principale, malheureusement, nous a quittés il y a 3 mois. Donc c'est d'autant plus intense d'imaginer qu'on va tous la revoir ensemble ce soir. Malgré ça, je suis ravie d'être là et ça va être festif et joyeux quand même si c'est un drame. C'est un film sur le couple et sur comment est-ce que on survit en territoire hostile et comment on essaye de garder l'amour bien vivant dans des conditions pas évidentes. Voilà. Delighted to be here. Thank you very much for the invitation. It's the first screening for the whole crew. There is us on stage, but a lot of the crew and the rest of the cast in the theater. It's a little bit of a sad moment for us because the main actress passed away 3 months ago. So it's going to be really intense to see her again on screen. But still, it will be a festive and cheerful moment. It's a film on coupledom and how it can survive in a hostile environment, and how to keep love alive despite the circumstances.